passé, on est passé par, par quoi? Par, par Bobital, par... Vécharie. Les francophonies. Garorock. Garorock. Printemps du Haut. Arrock. Arrock, ouais. Et plein. Plein de trucs, donc ça tourne vraiment bien, c'est cool. Et bah, toutes les dates qu'on a eues, nous on a bossé à côté, je pense qu'on s'est forgé une petite expérience, là, sur le team, on a pu prendre quelques galons, je pense qu'on prend un peu plus au sérieux. Ouais, tu vois que là, on est quand même au Club du Rock, on joue en dernier, parce que je crois que la soirée, hein. Prex. Donc c'est que quand même, on nous fait vraiment confiance, on a une vraie légitimité. Surtout qu'il y a les Birds of Joy et les Bellarès, vraiment, les Struts sur le festival. Est-ce que vous avez fait des rencontres pendant tous ces festivals qui vous ont donné envie de faire des trucs avec d'autres gens, d'autres groupes? Comme quoi? Je sais pas, c'est un peu fort. Non, on a rencontré des copains qu'on connaît super est, qu'on connaissait de loin, maintenant on connaît plutôt bien. Ouais. Ça c'était une belle, belle rencontre. C'est qu'on a fait donc, En tout cas pour des collaborations, je sais pas trop. Ah, pour des collaborations après, oui. Pour faire la teuf, on a plein de copains. On a trouvé plein. Non, tous les jeunes charrues avec qui on a. Ouais. Plein sur les charrues, on est resté pratiquement les 4 jours ensemble sur le site, plus une formation qu'on avait fait avant. Ouais, il y a eu des gros liens, c'était cool. La belle rise. Des belles rides. Et on a parlé d'être vraiment la programmation. Moi je vais retourner voir Breton. Ah ouais, Breton, ouais. Bien sûr. Ouais. Et essayer d'aussi aller voir un peu ce conflit. Ça a l'air un peu gueudin. On a toujours prévu. On va essayer de voir. Et Kavinsky, je vais essayer d'aller voir entre deux chansons. C'est ce qu'on joue en même temps, mais je sais rien. Est-ce qu'après tout ça, vous avez encore envie de faire un festival en tant que spectateur? Oh si, je pense. Oui et non. Avec un pass artiste. C'est dégueulasse. Non. On va passer par des enfoirés. Ça dépend des festivals. Moi, le hard rock, parce que c'est chez nous, ouais, je veux bien le faire en festivalier. Le folk binic blues, moi j'y vais en festivalier. Binic blues, pareil. Rock en scène, ça me dérangerait pas. Ça dépend des festivals. Les vieilles charrues, j'irai pas en festival. Ouais, un jour, deux maximum, ça va, mais après, ça devient un petit peu dur. C'est vrai que tu dois dormir en tente. Non mais c'est con, mais t'es sous canière pendant 4 jours, t'as pas d'eau, pas de couche, t'es en tente. Et ouais, faut être artiste, les gars, sinon c'est vraiment trop de la merde. Ça va ou quoi toi? Non mais coupé. T'en as une autre question qui fout mal à l'aise? J'essaye de trouver une un peu moins polémique. Ouais, ça serait gentil. Ça fout la merde, ça.